Oh mais tu es... Tu es Tristan des Beehive? Eh oui, c'est bien moi. Je suis... Quoi? Oh, j'ai tous vos disques, vous êtes trop beaux! Je peux avoir un autographe sur mon bouclier? Mais je ne suis pas Tristan des Beehive. Je suis Milo du Scorpion. Le groupe allemand? Ah, des snipers! À couvert, vite! D'ordinaire, je me pique d'être hospitalier. Mais comme vous êtes des rebelles, je me vois dans l'obligation de vous tuer. Tout ça, c'est ta faute, chérieux! Tu nous colonnerais plus tard son anarchiste avec tes cheveux longs et ton tatouage! Non, je savais que mon look anticonformiste en dérangerait certains! C'est pas beau de montrer du doigt! Plaît-il? 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 Yoga, t'es pas mort? Mais on avait rompu la chaîne du froid, comment est-ce possible? Cela, je le dois à Sean. Au péril de sa vie, il s'est collé à moi, m'a dorloté, m'a chouchouté, m'a serré fort contre son cœur. Et cela en toute amitié. Il est mort! Mais ne soyez pas stupide! Ça, c'est trop tard! Jamais je ne laisserai tomber Sean! Pourtant, il pèse son poids, l'animal! Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'avais pensé faire brûler mon cosmos pour le ramener à la vie, mais j'ai peur d'entrer dans un cercle vicieux. Alors, je vais plutôt vous le confier pendant que j'affronterai le clavieriste des Beehive. Je ne suis pas Tristan des Beehive! Tu veux l'affronter? Attendez, on en a la 8ème maison, j'ai encore battu personne. Je veux pas me taper la honte devant les phoques en rentrant en Sibérie. D'accord, on te laisse. Mais uniquement parce que ton air de psychopathe nous fait très peur. Hé, m'affronter. Tu rêves. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon dieu. Milo vient de déclencher la plus terrible attaque du héros de Shonen. Quoi? Le monologue sur l'espoir et l'amitié. Oh non. Sache que pour nous les rêves sont loin d'être impossibles, car nous nous battons pour l'espoir et l'amitié. Et je suis fier d'être honnête avec mes camarades. Je suis pris au piège, obligé d'écouter ces niaiseries idéalistes. Les vieillards et les insomniaques n'ont qu'un rêve. Nous lutterons de toutes nos forces jusqu'à ce que notre but soit atteint. Eh ben, heureusement que Yoga est dans notre camp. Oui d'ailleurs, profitons-en pour le foot. Et nous le ferons ensemble. Le camp, je veux dire. Oh bon Dieu, tu m'as fait peur. Oh, la princesse! Oh, le nazi! Oh mon dieu, la pauvre! Naître avec une cuillère en argent dans la bouche et mourir d'une flèche d'or dans le cœur! Qui lui a fait ça? Qui est cette charmante jeune femme? Sans merde! Charmante, très charmante! Ouais! Cavalerie! Rendez-vous, vous êtes cerné! Oh, c'est parce que j'ai mal dormi, il décalage horaire, vous savez! Livrez-nous la petite dame et tout se passera bien! Non, l'autre! Non mais là, ça devient lourd, sérieux! Ah, je vous l'avais bien dit de vous laisser pousser la moustache! Si vous touchez un seul de ses cheveux, vous aurez affaire à moi! Dis plutôt que tu vas en profiter pour la ploter! Dans le manga, c'était très drôle! Vas-y, Tatsumi! Tu vas les avoir! Mais laissez-moi! Vas-y, Tatsumi! Tu t'es fait avoir! Je vais te piler à coups de pile, homme! Bon, je suis pas assez intime avec ton pote pour lui mater les boyaux, je me casse! Hey, si vous touchez à un seul de ses cheveux, vous m'avez compris. Oh mais vous êtes... Jabu, chevalier de la licorne. Nachi, chevalier de loup. C'est qui, le chevalier de loup? Ichi, chevalier du serpent de mer. Quant à moi, je suis... Ouais, on va vous péter vos mouilles. Par le galop de la licorne. Par l'hurlement infernal. Par la détente du... Patron, des secours, on s'est à garde. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-les s'entretuer et note le nom des survivants. Y'a du business à faire. Vous êtes démoniaque, patron. Ouais, je sais. Ah, on est que des figurants, on peut rien contre eux. Et sans une égratignure. Ça peut s'arranger. Ah bah vous revoilà enfin. Où est-ce que vous étiez passé depuis une cinquantaine d'épisodes? Bah tu connais le métier, on a caché une à gauche à droite. Ouais, des rôles alimentaires, au théâtre, dans des téléfilms. On a même été doubleur. Comédien de doublage. Pour ma part, j'ai... Mais on a renouvelé nos contrats. Alors on restera ici à rien faire sans fléchir. Pendant que c'est les autres font tout le boulot. Ouais, youpi la youpi. Bah si on était resté, on serait pas parti. Tu crois que Yoga en a fini avec son monologue de shonen? Penses-tu? Il doit encore être en train de dire qu'il va suivre son Indo et devenir roi des pirates. Laisse-moi dire que j'aimerais pas être à la place de Milo. Ouais, bah on voit bien que c'est pas toi qui portes Sean. Et je ne citerai pas la voix que je me suis fixée, car j'ai fait un rêve. Le rêve qu'un jour notre nation se... Bon, tu voulais en découdre avec mon aiguille. Banco.
Mais sache qu'il faut au moins faire cette taille pour résister à ma piqûre. Tiens, il faudra plus qu'un rappel anti-tétanique pour me faire peur. Désolé si je te pique au vif, mais tu vas changer d'avis dardard. Par l'aiguille écarlate. Mon armure millénaire toute neuve, mais que... Du poison coule dans mes veines, je ne veux pas briser ses chaînes. L'aiguille écarlate inflige à l'adversaire d'atroces souffrances, pendant lesquelles il ne lui reste plus qu'à choisir entre la capitulation et la mort. Et le plus piquant dans tout ça, c'est qu'il faut 15 coups avant qu'elle agisse complètement. N'est-ce pas? Excitant. Cette piqûre sera la dernière. J'ai bien analysé ta technique. Et chacun sait qu'une même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier. Par l'aiguille écarlate. Par l'aiguille écarlate. Par l'aiguille écarlate. Excuse-moi, tu disais... Je comprends pas, ça le fait d'habitude. La capitulation ou la mort? Que choisis-tu, chevalier? Aucune solution ne me convient. Mauvaise réponse. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Il ne reste plus qu'un coup. L'Antares. Je n'ai encore jamais porté, j'espère que ça marche vraiment. Ah ben oui, ce serait dommage. Toujours pas envie de capituler? Jamais. Pas tant que j'aurai des ailes. Vol, gracieux signe. Il a du plomb dans l'aile, ton signe. Attends, laisse-moi le temps de souffler. J'ai le poumon perforé, ça devrait aller vite. Inutile, Yoga, tu n'as plus aucune chance. Tu aurais mieux fait de rester en Sibérie. Avec les phoques. Non, Milo. Mais calme-moi, je le pique. Puisque tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, laisse-moi te faire une mise au point. Jamais je n'abandonnerai mon rêve. Car j'ai fait une promesse, celle d'aller jusqu'au bout pour sauver la nunuche qui nous attend 8 étages plus bas. Alors je ne te laisserai pas me pénétrer avec ton aiguillon sans rien faire, même si c'est en toute amitié. Car je suis un vrai chevalier, comme les autres. Et je sais que je te vaincrai au nom de la justice, comme les autres. Eh bien, que réponds-tu à cela, chevalier du scorpion? Hé, Camus! Est-ce que je peux faire taire ton disciple une bonne fois pour toutes en lui infligeant d'ignobles tortures? Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis... Verseau. Je prends ça pour un oui. En garde. Prépare-toi, Mino. Je vais intensifier ma cosmo-énergie au maximum. Scorpion wins. Fatality. Oh, je vais encore me faire passer un savon par la femme de ménage. Oh, mais... Mon armure, elle est gelée. Mais alors... Yoga, avant qu'Antares ne le touche, il a atteint le septième sens, esquivé mon coup, trouvé un angle d'attaque, gelé un à un mes points vitaux, et s'est ensuite replacé devant moi afin de recevoir ma piqûre et d'éviter de me vexer. Incroyable, les bras m'en tombent. Ça alors, quel courage. Même à bout de force, il part rejoindre ses amis au péril de sa vie. Doit fuir pour survivre. Yoga, attends. Oh, il m'a repéré. Yoga, je suis encore debout alors que tu pisses le sang par terre. Tu as donc gagné. Où est-ce qu'il veut en venir? Et qu'est-ce qu'ils ont tous à me prendre dans leurs bras? Oh, j'ai compris, il va m'achever. Ah! Grâce à l'art ancestral de l'acupuncture, j'ai arrêté l'hémorragie. Par contre, pour l'anémie, je peux rien pour toi. Oh, merci, Milo. Grâce à toi, je vais pouvoir continuer ma route et réaliser mon rêve. Oui, grâce à moi, tu vas pouvoir affronter de terribles épreuves, endurer 1000 supplices, voir ton honneur bafoué, regarder tes amis mourir l'un après l'autre, et enfin périr toi-même dans d'horribles circonstances. N'est-ce pas? Excitant! Sadique. Oui, je sais. En toute amitié. Oh,